L'action sur le bouton poussoir S2 excite la bobine KM1, ce qui provoque son auto-alimentation. L, excitation des bobines KM1 et KM2. Le démarrage du moteur en couplage étoile. Après quelques secondes, les contacts du relais KM1 changent d'état, ce qui entraîne risque la désexcitation de la bobine KM2. De la bobine KM3. Phase de L étoile en triangle, le démarrage est terminé. Une action sur le bouton poussoir S1 ou une fonction de relais thermique F1, désexcitation toutes les bobines et le moteur s'arrête.